la recommandation d'arbitre, c'est le bon. Ok, here, punch is good. Ok, I don't want punch behind the kidney. Behind the head, be careful the head clash. When I take break, step back. You know what I mean by step back? If you don't want to step back, I will come between you and your opponent and push you, okay? Protect yourself all your time, all the time. I want you keep your hand up, okay? And be careful the head clash, make it a good and clean fight. Have a good fight. Il a oublié aucune consigne. Ouais. Allez, Oubali. Nicolas Karabatic, présent au premier rang. Consultant du CSC, le Canal Sport Club. C'est parti pour le premier combat de cette soirée ici au Zénith. Farhad Saad de retour sur les rings face à McCauley McGowan, un Anglais de 28 ans, boxeur de Manchester. Véritable pays de la boxe, hein, Angleterre. Ah ça oui, oui. Avec un vrai état d'esprit, le fighting spirit. Ce n'est pas qu'une légende, ce n'est pas qu'un cliché. On est rarement déçus. C'est des boxeurs durs, exactement, voilà. Une première combinaison corps face, déclenchée par McGowan et très bien lue par Farhad Saad. On n'a pas de spécialiste des victoires avant la limite. Hein. On n'a aucune. Oui, on va au bureau. Côté Farhad Saad, il y a 3 victoires avant la limite en 17 succès pour l'Anglais. Voilà, Farhad Saad, ça fait 2 ans qu'il n'a pas boxé. Il faut se remettre un peu dans le bain. Pas besoin de précipiter, il faut bien jouer avec le direct de gauche. 2 ans d'absence, est-ce qu'on perd réellement tous ses repères, Fabrice? Oui, mais on les retrouve assez rapidement, mais c'est pour ça que les deux premiers rounds, il faut y aller doucement. Quoi. Voilà, faut pas s'énerver, il faut bien jouer avec le direct de gauche. Joli coup encore là, de la part de l'Anglais. Ça aussi c'est bien fait, la réplique de Farhad Saad avec la droite. Parce que même si on a fait beaucoup de sparring, le sparring c'est pas un combat. Mais ça s'en rapproche, donc en espérant qu'il ait fait beaucoup de sparring quand même. Ça va bien en tout cas, hein, avec son point gauche là, l'Anglais. Pour l'instant il a un bon enchaînement qui fonctionne, c'est le corps face. De se libérer, hein. On le sent. Ouais, bien sûr. Sois tranchant sur tes coups. Et on lui demande d'être tranchant sur ses coups. Allez, il faut le mettre au direct du gauche, mais même s'il passe pas, il faut le mettre. Ah, faut nettoyer, oui.
C'est une spécialité de Villeurbanne Lyon, ça, non? Ça doit être ça, oui. Hein, voilà, c'est un petit peu tôt, ça ne sert à pas grand-chose. Il faut attendre le 8e. Oui, à peu près, oui. C'était pour les plus anciens qui se souviennent quand même de Gerland et de, ça, et de ce combat que vous avez livré, oui, face à Branco. La bassine était tombée dans la contre-jambe. Tout à fait. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Oui. Et en plus, pas de chance, elle était pleine. Ouais, évidemment. Oh, bien fait. Même si pour l'instant, il y a un bon jeu défensif de la part de Farhad Saad. Oui, oui, c'est bien varié. Ça, il ne touche pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il varie bien en bas, en haut. Ah là, on a quand même un contraste saisissant. Hein. On a quand même l'Anglais qui reste sur une victoire il y a un mois, chez lui à Manchester. Ouais. Et en face, un boxeur qui n'a pas évolué depuis 2 ans. Il s'est beaucoup entraîné et qui n'a pas eu de combat. Gohan qui a quand même une plus grande expérience que son adversaire. Il a par exemple combattu un ancien champion du monde dans la catégorie des poids moyens, un champion du monde WBC, c'est l'Argentin Sergio Martinez. C'était à Madrid l'année dernière. Il a également combattu pour un titre international, c'était dans la catégorie des super welter, les 69 kilos. Et tout ça avec pas beaucoup de combats, mine de rien. Oui. Il doit travailler, il faut allonger les bras quand même. Allez, il faut être un peu plus actif. Et ne pas essayer de taper pour toucher à chaque fois, en fait. Comme il l'a fait, là, avec le cross du droit. Il faut mettre plus de coups. Allez, des rapides, des moins rapides. Des forts, des moins forts. Il faut être plus varié. Encore 30 secondes dans cette deuxième reprise. Non, trop loin, ça se voit. L'anglaise pour son 3e combat. Et puis derrière, le championnat d'Europe des mi-lourds, titre vacant entre le français Thomas Faure et l'anglais Aziz, invaincu en 18 combats. Avant, bien sûr, le choc entre Yoka et Takam. 3e reprise. Oui, travaille en bas, Feu. On sent quand même qu'il a vraiment été obligé de couper pendant plus de 2 ans, puisqu'on se souvient de son dernier combat. Il a souvent été sur nos antennes. Il est souvent programmé
puisqu'ils sont, ils sont très amis, souvent programmés avec, avec Tony Yoka, et on a souvent eu effectivement un Farhad Saad beaucoup plus actif, oui, avec beaucoup de combinaisons, de variété dans ses frappes, dans ses enchaînements. Et toujours deux fois plus de coups précis touchés de la part de l'anglais par rapport au français. Ça claque au niveau des flancs. Ce coup au corps délivré par McGowan. C'est toujours l'anglais qui déclenche le premier, en fait. Oui, oui. Allez, tu siffles. Elle tourne bien. Hein. Bah, l'anglais en tout, pas de il tombe pas sur la droite, il tombe sur la gauche. Allez, allez, bon. Ça c'était bien fait, le court crochet du gauche là en sortie de corps à corps de la part du français. Non, trop large ça. Il y a toujours la volonté effectivement de faire mal sur un coup. Pas non plus laisser filer les rounds comme ça. Et la fin. Maman qui en plus a plusieurs fils qui boxe. Le niveau de stress. McGowan qui travaille pour l'instant très très bien avec son bras gauche qu'il utilise soit en direct soit en crochet. Pour l'instant il a fait mal à 10 reprises. Vraiment se libérer hein, pour oui. Farhad Saad désormais après 3 rounds. Faut lâcher ça a les été coups. Compliqué. Ouais, ouais. Puis il faut pas laisser filer les rounds comme ça. Hein. Après pour un combat de rentrée, il est quand même compliqué aussi à boxer hein, cet oui. Anglais. Hein. Il est très mobile. Non, il a d'expérience. Il a d'expérience. Oui. Il arrive à jouer sur les fautes de Farhad. C'était intéressant là, l'utilisation du bras gauche de Farhad Saad par deux fois en crochet. La droite est trop large, elle ne peut pas passer comme ça. On va le dire aux abonnés. Hein. Là, il y a eu un petit regard vers Fabrice de Farhad Saad. Aide-moi s'il te plaît, Fabrice. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais quand l'adversaire est dans les cordes comme ça. C'est, on met pas un crochet, voilà, c'est, il faut passer en direct justement. Go,
Là, il est Dubié, là. Il faut le cadrer. Mais oui, il est déjà parti. Il est vraiment, vraiment très compliqué. Hein. Cible mouvante en permanence. Sur McCauley, McGowan. L'avantage aussi d'avoir boxé il y a un mois, il n'a pas du tout coupé. Donc ah, il est dedans, hein, il, voilà, il est exactement dans un rythme où il a finalement pratiquement autant de combats que de semaines d'entraînement. Ça, c'est bien en contre. De la part de Farhad Saad. Un petit peu de temps là, l'anglais, en se collant, encore avec le bras gauche. Dernière seconde de cette quatrième reprise. Ça va mieux pour Farhad Saad dans ce quatrième round par rapport aux trois premières reprises. Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la cinquième reprise. Farhad Saad maintenant face à McCauley, McGowan. Pour l'instant, avantage à l'anglais. Après 4 rounds, ça c'est bien fait. Le direct du gauche appuyé, il a bien claqué. Et il y a une urgence à réagir, effectivement, pour Farhad Saad. Un petit peu plus d'intention de faire mal quand même avec le direct du gauche hein, chez Farhad Saad. On était quand même de s'en servir comme un piston, mais la réaction de l'anglais avec la droite. Il percute. Il anticipe bien quand même les enchaînements du français. Hein. Pour l'instant, l'anglais, notamment la droite, elle était encore bien esquivée. Voilà, petit avertissement par rapport au choc de tête. Ça a bien claqué, il n'y avait pas le transfert du poids du corps, il n'y a pas une énorme efficacité, ouais, heureusement. Le corps a ouvert aussi, oui. Voilà, exactement. C'est aussi pour ça que ça fait ce bruit-là. Ouais. Ça s'est donné avec l'intérieur du gant, mais ça marque quand même au niveau des juges. Ah bah de toute façon, oui. Ah, attention, Kuba. Ouais, il était surtout très bas là, celui-là. Ouais, ouais. Secondes.
n'arrive pas à trouver la distance. Et c'est encore lui en sortie de corps à corps qui touche McGowan. Allez, dernière accélération. On va impressionner les juges.